tous, donc on se retrouve dans un nouveau tuto cuisine. Donc je vais me lancer dans cette petite série. Donc comment ne pas trop mouiller son verre quand on boit. Donc c'est un tuto qui peut servir à pas mal de personnes, notamment à moi. Parce que bon, maintenant je fais attention, mais avant je mettais plein d'eau enfin, partout quand je buvais de l'eau justement. Et donc je vais vous apprendre comment boire proprement. Donc vous avez déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui font comme ça, donc, qui allument l'eau et qui passent leur verre, tchac, comme ça. Donc ça mouille le verre. Donc non, on va passer le verre d'abord comme ça, donc bien en dessous, hein, voilà, comme ça. Puis allumer. Attendre que le verre se remplisse, comme ça. Pas besoin de remplir un rabord. Donc là, vous buvez, hein, hop. Donc une fois que vous avez bu, comment bien rincer son verre? Donc pareil, on passe là. Et tchoc. On remplit quand même pas mal. Et non, oui, voilà, comme ça. Et donc, on va le vider tout petit à petit. Donc, comme ça. On va le passer en fait d'une tasse à l'autre. D'un verre à l'autre, l'eau. Pour rincer le verre. Donc, je passe à ce verre. Hop, là j'en ai un peu. Je passe à celui-là. Je passe à lui. Je passe à lui. Voilà, et on fait cet échange 10 ou 15 fois. Hein. On passe à lui. Je 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 passe à lui à moitié. Donc on fait moite-moite et là on va verser, donc cogner les verres entre eux et verser comme ça. Et là vous êtes sûr que votre verre est propre. Et voilà. Donc là votre verre est nickel après avoir fait ça. Et donc vous le posez. Hop là. Donc, voilà, vous le posez comme ça. Et là vous êtes sûr que votre verre est nickel. Voilà, c'était le tuto cuisine de Jarachi de Memofouche. À bientôt.